Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Il est écrit, « Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. » Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Il est écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »